Si tu veux acheter des crédits FIFA au meilleur prix, je t'invite à te rendre sur U7Buy. Grâce à mon code promo Cyril73, tu auras une grande réduction parmi tous les services proposés sur le site. Lien dans la description. Si tu veux gagner un max d'argent ou alors arrondir tes fins de mois, je t'invite à nous rejoindre sur le Discord des pronos. Tu auras tous les liens nécessaires dans la description et tu verras, on y gagne tous les jours, que ce soit sur le tennis, le foot, mais pas que. Plus d'informations dans la description. Allez, on est parti pour le SBC Ligue 1 Conforama. J'ai le soleil qui me gêne, ça rajeune, mais bon, c'est pas grave. SBC Ligue 1, les gars, avec Depay ou Thauvin, je partirai plus sur un Thauvin. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de... J'aime bien les gauchers, j'ai besoin d'un ailier droit. Par rapport à Mbappé, il y a des trucs plus intéressants. Mbappé, j'utilise plus en pointe. Mbappé, plus sur les couloirs. Thauvin, plus sur les couloirs. Donc, on devrait, je pense. Sans toute vraisemblance, partir sur Flotov. SBC, à peu près 300K. J'ai dépensé à peu près 200 et quelques 1000 crédits. Sachant que j'ai quelques jours dans mon club. Donc, on peut voir sur à peu près 300K. Ce qui n'est, ma foi, pas très cher. 20 équipes. 20 équipes, les gars, casse-tête. Le premier, SBC de Amiens. À peu près 25, 30 000 crédits. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des argents. Les argents coûtent très cher. Pourquoi les argents coûtent cher? Ça dépend aussi en fonction du pack de récompense du SBC. Donc, c'est un peu casse-tête. Bref, voilà un peu les joueurs que j'ai utilisés. Je vais vite vous les dire un par un. Dreyé, Aljazam, Bonnemer, Guano, Dibassi, Monconduit, Rabey, Zungu, Ganzo, Godos, Konaté. Voilà, pour le premier SBC de Amiens, à peu près 30 000 crédits. Angers, SBC de Angers, à peu près 15-20K. Où on part sur du Butel, Zachary Boucher, Thomas, c'est Traoré. Latéral gauche, Andreu. On a Capel, Santa Maria, Mangani, milieu droit. C'est Pajot, à gauche il s'agit de Pouillot et en pointe Kanga. Voilà pour le SBC de Angers. Et le SBC de Monaco, à peu près 15K, vraiment pas très cher. Alors, j'ai mis des joueurs bleus pour me libérer, mais vous, c'est ça change rien pour le collectif, donc vous inquiétez pas. Et encore moins pour la note. Benaglio, Sidibé, Glick, Jamerson, Subasic, Radji, Golovin, comment ça s'appelle là, c'est Pelé, Ronny Lopez, Jovetic et le MOC, j'ai oublié son nom. Haït Benacer pour un pack joueur. Or, ensuite, on enchaîne maintenant sur Saint-Etienne. Saint-Etienne côté à peu près 13-14 000 crédits. Ruffier, Debuchy, Perrin, Subotic. Ici, je connais pas Saliba. Ici, je connais pas Camara. Yanem Villa, Salibur, Rémi Cabella, Amouma et Wabi Kazri en pointe pour un pack à 15 000 crédit. Ensuite, Dijon à peu près 8K, vraiment pas très cher. Le gardien ici, Ntumba, latéral droit, c'est un gardien Alan, dans l'axe, on part sur Loïdissé, je connais pas non plus. Aguerd, latéral gauche, Bukamutu, Amalfitano, Jano, Gourcuff, Kwan Chang-un, Saïd et City. Faites bien attention aussi aux joueurs que j'utilise et aux postes que je mets entre guillemets le joueur, hein, parce que pour le collectif c'est souvent ric-rac, ok. Ensuite, Guingamp coûte à peu près 15 000 crédits, à peu près, ce qui n'est pas très cher. On part sur Johnson le gardien, ici c'est Petrich, dans l'axe c'est Kerbrat avec Sorbon, voilà que j'avais oublié, latéral gauche, c'est Nga Boko, bref on s'en fout. Lucado, Benezé, on a Marcus Coco, à droite il s'agit de Blas en numéro 10, Marcus Thuram et en pointe, Rony Rodelin pour un pack joueur Electrum Premium. Maintenant le défi de FC Nantes est à peu près... 8000 crédits, vraiment pas très cher, ouais, 8-10K on va dire. Le gardien ici, Brat, le défenseur américain, Masiaga, dans l'axe palois avec Walanga, Fabio ici, on a du Emiliano Sala, du Rongier, ici c'est du Lucas Evangelista, le numéro 6, Bosquilla, ici numéro 6 aussi, Touré, et en pointe on a Sigurdsson, le buteur islandais pour un pack joueur argent rare, donc vraiment pas très intéressant. On enchaîne maintenant sur le défi de Bordeaux. Je me cache un peu parce que j'ai le soleil qui me gêne. Défi de Bordeaux, Benoît Costil, latéral droit, c'est Palencia, Otavio, Pablo, Sabali, comment s'appelle, Sankaré, pardon, j'avais oublié, avec le rageur. Ici le MC Youssouf, à droite, j'ai mis Kamano, à gauche de Préville et en pointe, et Jimmy à Brillant. Bordeaux, comme je vous ai dit, à peu près 15-20 000 crédits. Le défi de Lille maintenant, qui coûte moins cher que l'année passée, parce que l'année passée, il y avait quasiment
que des argents qui coûtaient la blinde de crédit. On passe au Mac Maignan, au Cage, dans l'axe Gabriel, Yedgarie, Fonte et Kone qui a une magnifique coupe ici. Sheka. Ici, on a du Thiago Mendes avec Thiago Maia, Nicolas Pepe, le buteur portugais Rui Fuente et Loïc Rémy. Lille, à peu près 15-20K. Pareil pour du côté de Montpellier, on part sur à peu près 15-20 000 crédits. Avec Lecomte, avec Aguilar, avec Andy Delors, Hilton, Pedro Mendes et le défenseur Vidal. Dans l'axe, Lasne, Skiri. Gaëtan Laborde, Camara et le jeune buteur Amour, né en 99. On enchaîne maintenant sur le SBC de Nîmes. Alors lui, il m'a coûté la blinde, un peu plus 25-30K, j'avais zéro joueur. On part sur le gardien, sur Zach, latéral droit, Alcalouche, dans l'axe Landre et Liboli, Arek. Le grec ici, Vals, Issan, Maoussa et Despré en pointe, avec bien sûr un Oumout. Bazak, l'un des principaux joueurs du Nîmes Olympique. Nice maintenant, Nice à 15 000 crédits pour le SBC de Nice. Cardinal, Jalet, Dante, RL et j'ai oublié son nom, Danilo. Cyprien, Lesmelou et Makengo. On a bien sûr le jeune Ganago qui était rentré contre Marseille avec Maulida en pointe et Saint-Maximin. Voilà. Maintenant, les principaux, entre guillemets, clubs de Ligue 1, l'Olympique de Marseille, coûté à peu près 13-15K. Du Mandanda, on a pris du Bounassar, du Perrin, Adil Rami, Sakai, Lopez, Ocampos, Troutman, Gustavo, Engie et Valère Germain. Pour un pack. Oh, ça fatigue, les gars, vraiment, faire ce SBC, c'est très très long, même à parler, c'est très long. Le SBC de Lyon, à peu près au même prix hein, que celui de Marseille. Pareil pour les joueurs bleus, on mettait n'importe lequel, ça passe largement niveau note. Hein. Moi, ça me libère. Lopez, Dubois, Raphaël, Morel, Tété avec Touzard, Bertrand Traoré, Farlan Mendy, Griffight et... oh merde, j'ai gobé son nom. Amine Guéry. Voilà, défi validé pour un pack joueur Electrum. Je trouve ça hein, Prime, donc c'est pas des grands packs, mais c'est plutôt pas mal. Le SBC de Paris, l'un des plus chers de cette Ligue 1, à peu près 35-40 000 crédits. Areola, Meunier, Marquinhos, Kierer, Bernard, Nkunku, Lassana, Rabiot, Draxler, Choupo-Moting et rester pour un bon pack à 45K. Ça, c'est entre guillemets satisfaisant. Il reste encore 5, les amis. Strasbourg ici, avec du Cels, du Lala. Dans l'axe, c'est Kone avec Simakan. Je n'ai pas dit le prix, pardon, mais le prix, c'est à peu près de Strasbourg, les gars. C'est à peu près 8, enfin 18K, à peu près. Ok. Carole, latéral gauche, Linard et Martin. MC, c'est un buteur de base à Jork. Ici, c'est un DC à Neba. Numéro 10, Motiba, les amis. Voilà. Et en pointe, bien sûr, Sadi. Les 4 derniers clubs. Caen, 8, 12 000 crédits. Brissamba, Gilbert, Genevois, Paul Bass et JQ. Ouais, c'est ça. Ici, c'est Fage, Hawi, Crivelli, le buteur Beauvu. À gauche, Repas. Et à droite, Chukunte. Voilà. Sur le stade de Reims, à peu près à 15K, à peu près en arrondi. Avec du Carasso au cage, latéral droit, Houdin, Métanir, Abdelhaïd, Conan, Chavalérin, Romao, Ojo, Camara, Pietikoski et Nagumok. Bref, vous m'avez compris, hein? C'est compliqué de lire tous les trucs à chaque fois, les gars. Vraiment un sacré casse-tête. Et les deux derniers, le stade Rennais, à peu près 15-20 000 crédits. On part sur Koubek, le gardien latéral droit, c'est Castillo, c'est ça, Del Castillo, pardon. Avec Mekcher et Da Silva, Ismaël Aïssar, Mbanyang, André. On a Bourigo, Clément Grenier, le buteur ici, Janvier, et le Suédois, Johnson. Pour un pack, joueur rare, mélangé. Et le dernier, le Toulouse Football Club, qui coûte 14 000 crédits, entre 14 et 20 000 crédits. On a le gardien Gauchoa, c'est ça, hein, Gauchoa, bref, mal prononcé, mais c'est pas grave. Le troisième gardien Vidal, il y a René aussi, bien sûr, dans l'axe Fortes, avec Christopher Julien, Max-Alain Gradel, Durmaz, Stéphane Mbia, Cahuzac, Tosevi, Sanogo, et bien sûr, le frère de Michi, Léa Iseka. Voilà, on a validé le SBC, les gars, on va bien sûr partir sur un petit Florian Thauvin.
Voilà, à peu près 300K si vous achetez tout. Il y a moyen d'économiser entre 50K minimum, je pense, dans les packs. Donc, plutôt correct. Sachant qu'on est à l'abri à peu près de 2 boosts pour ces deux joueurs entre Depay et Thauvin. Donc vous pouvez bien sûr le refaire hein, si vous voulez faire les deux. Tout simplement, voilà la carte de Depay. Quand même plutôt pas mal. Mais bon, après, avec 80 de finition pour un buteur, c'est pas très cool. Même si je l'ai en régulier et je trouve plutôt très bon, surtout en bande touche. Et bon, photo, voilà, c'est la magie. C'est une très 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 belle carte. C'est un ailier, c'est un gaucher. En plus, il prend en bump, en axel et en vitesse, ce qui est quand même plutôt pas mal. Force équilibre, c'est satisfaisant. Tir de loin, c'est vraiment très bon. C'est un ailier capable de marquer et j'aime bien des ailiers qui sont très très bons. En tir, du coup, on valide Monsieur Florian Thauvin. Voilà, maintenant les amis, bon, on va directement se rendre dans la boutique et on va aller ouvrir les 20 packs, sachant qu'il y a des petits packs argent. Alors, moi, pour le bien de la vidéo et pour vous, entre guillemets, je vais tout garder, voilà, sans me prendre la tête. Mais après, à vous de vérifier. Après, les joueurs de Ligue 1, etc., parce que vous n'êtes pas à l'abri que, voilà, un mec comme Mendy, voilà, ça se vend aussi. Donc, faites bien attention à tous les joueurs que vous avez. Les amis, pack joueur rare, le même. En gros, c'est des sortes de packs à 50K avec que des argents à l'intérieur. Voilà, bon, il n'y a pas forcément de joueurs qui peuvent coûter cher. Après, j'y connais rien, mais à vous de regarder quasiment tous les joueurs argent que vous avez dans votre club. Pareil, le même pack, 12 joueurs, tous rares et tous argent. Le soleil est assez dérangeant quand même. Belugu, Koulibaly de Nantes, ça peut se vendre. Toi, 1000 crédits, ce qui est quand même pas mal. Andreoli, c'est sûr que ça se vend, lui, voilà, ça se vend 3-4K. Donc faites bien attention, les amis, à tous les joueurs que vous avez dans votre club. Pack à Premium Or, maintenant, est-ce qu'on a fini les argents ou pas? Il y a un pack à 45K, ouais, pas mal, hein. Pas mal, pas mal, les gars. Il y a moyen d'avoir des trucs très, 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 très intéressants. Faut que je débranche cette putain de manette à la con, là. C'est fatigant, les gars, hein. Je vous dis que c'est vraiment fatigant de faire ça. Putain, j'en peux plus. C'est vraiment fatigant. Allez, pack Premium Or. Je vais mettre de côté parce que j'ai le soleil de pleine tête. Quoi, comme ça, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais, comme ça, c'est mieux. En espérant avoir bah, des petits trucs assez intéressants. Quand c'est l'animation, on regarde. Quand c'est pas l'animation, écoutez, on va skipper directement. Sinon, c'est très long. Il y a vraiment moyen de récupérer 50K minimum. J'ai même dit minimum. Donc, ça fera un SBC à peu près à 250. Minimum, ouais, ce qui est quand même plutôt pas mal, il y a un moyen. Après, je suis pas là en train de regarder tous les prix de tous les joueurs, de tous les contrats, de tous les styles, mais ouais, 50K c'est vraiment le strict minimum qu'on va récupérer à l'intérieur. Donc 300K dépensés, 50K reçus minimum, ça fait 250 pour Flotov ou alors Depay. Animation allemand, gardien bien sûr, Bowman. Bon voilà, c'est pas grand chose, mais c'est des petits trucs assez intéressants. Il y a vraiment moyen, les gars, d'avoir des trucs très très cool à l'intérieur. Bowman, ça va se vendre. Les autres, on discard. Donc, quoi, 1000 crédits à chaque fois pour quelques joueurs en vente rapide. Non, franchement, il y a vraiment moyen de taper des trucs intéressants. Sachant qu'il y a. Bien sûr, les Ultimate Scream qui peuvent coûter un petit peu. Les joueurs boost, les animations à plus de 86. Donc, il y a vraiment moyen d'avoir des trucs très cool. Ed Begovic, bon, ça y a rien qui se vend. Ça fait pas mal de crédits quand même. Hein. Ça fait pas mal de crédits. J'ai parlé du nombre de crédits que j'avais vraiment au moment où j'ai validé Flotov. Mais il y a moyen de se faire plaisir. Une seule animation pour le moment. Et encore, il y a un bon pack à 45K qui peut, lui par contre, vous apporter du lourd. Pas mal de joueurs intéressants. Faites bien attention, on jouera argent. Des fois, Tana, tu dis, c'est même pas pourquoi il coûte très cher. Donc faites très, très, très attention. Bon, pas beaucoup d'animes par contre, hein. Hein, pas eu de 86 pour le moment. Une seule animation, petit Bowman. Bon, après, des petits joueurs plutôt cool. Des rares aussi, c'est cool. Mais pour le moment, on n'a pas. On a le strict minimum. Vraiment le strict minimum, quoi. Je dois avoir peut-être 370, 380, je pense, à la fin, au moment de valider Flotov. Hein. Sachant que j'ai gardé quasiment tous les joueurs et j'ai juste discard les doublons. Hein. On est déjà à peu près à. Ah, c'est un pack à 25K. Même pas un pack à 25K. Ouais, à peu près. Bon, c'est déjà fait garder 20K, alors j'ai gardé pas mal de joueurs, pas mal de consommables, ouais. Donc 50K, c'est le strict minimum qu'on va récupérer, les amis. C'est sûr et certain. Bon, le pack à 45K, on va se garder en clôture ou pas? Parce que je m'attendais à avoir un petit truc cool, un petit boost, ça peut être pas mal aussi, un petit boost, les gars. Vous tapez un petit boost, c'est 10K hein, minimum, donc c'est plutôt pas mal. Faudrait aller un petit 86, c'est vachement bien. Et déjà, une animation... Ça pourrait être pas mal. Hein. Fernandez, ouais, discard. Bon, je garde tous les joueurs.
Pack joueur Electrum Premium, ok. Je les ouvre vite, hein, sinon ça va être tellement long. En plus, c'est pas comme si on avait des grands trucs à l'intérieur, quoi. Que animation. Ah bah, Kagawa. Bon, ça se voit un petit peu plus que la normale. Pourquoi ? SBC de Marco Reus oblige. D'ailleurs, je vous le recommande. Hein. Oh, Fred, c'est pas mal ça. Fred, les gars, c'est 20K. Ok, bah Fred, à l'actuel, c'est déjà 20K en plus. Kagawa, ça se vend un tout petit peu. Là, regardez, lui, là, il se vend bien. Miyazaki, tu vois, c'est 800 crédits. C'est des petits trucs vraiment intéressants. 800, 800, 800. À la fin, tu récupères pas mal. Hein. Plutôt pas mal. Pack joueur Electrum Premium. Ça, c'est des bons packs, j'aime bien. Parce qu'ils coûtent pas très cher quand tu vas dans la boutique. Et puis, t'as des argents et des ors. Et des fois, les argents coûtent très, très, très cher. Bon, on peut skipper. On s'est déjà fait un peu plus de 20K rien qu'avec les packs. Oh, Ramos. Anciennement, Borussia Dortmund. Il nous reste 6 packs. Pack, joueur Electrum Prime, 6 sorts, 6 argent, dont 6 rares. Ok. Faudrait un petit 86 ou un petit Ultimate Scream pour être bien. Déjà, une animation serait pas mal. On a qu'un petit Fred hein, qui coûte à peu près 20 000 crédits. Des petits joueurs de Ligue 1, série, ça se vend un petit peu. Les autres, non merci. Bon, plutôt ça satisfait des packs. C'est vraiment le strict minimum que j'aime et j'ai un petit Fred. Pas mal de petits joueurs cool. On a aussi eu un pack à 45K qu'on n'a pas encore ouvert. Donc il y a moyen de se faire un peu de sous-sous. Pack joueur rare mélangé. Alors ça, c'est 12 rares. 4 or, 4 argent, 4 argent, bronze, or. Pas beaucoup d'animation quand même. Hein. À force, frotter les oreilles pour gratter une anime. Hein. Ah, Abdullah. Anciennement ETG Marseille. Pack joueur rare mélangé. Encore le même pack. 4 or, 4 argent, 4 bronze. Ah! Oh, petit boost ça! 10K assuré. Ah, c'est. Mitrovic! Mitrovic, c'est ça, hein, je crois. Hein. Ouais. 10K assuré. 81 gen. À garder pour d'éventuels SBC quand il faut des boosts à, entre guillemets, à grosse note. Pas mal. Bon, c'est que dalle. Hein. C'est un petit peu plus de 10K. On valide et on termine sur le même pack. 4 or, 4 argent, 4 bronze, tous rares. On n'a pas eu de 86, hein. On a quoi, 3-4 années. Pas ouf. Et on termine, les amis, avec le pack à 45K. Pack de... Là, on s'est déjà fait à peu près 30-35 000 crédits. Plus Fred, ça fait 55. Plus tout ce que j'ai gardé, on s'est fait peut-être 80 000 crédits minimum. Pas mal, pas mal. Et on termine, pack à 45K, le pack du PSG. Pas de 86. Petite animation, bah écoutez, on prend. Hein. Français, MC, Tolisso. Oh, pas mal. C'est à peu près 10K. Écoutez, on a récupéré facilement 100K sur un peu moins de 300 de base. Sachant que j'ai pas payé 300 mois, mais voilà. Bon, vraiment pas très cher. C'est plutôt pas mal. 5K pour Tolisso. Les autres, pas grand chose qui se vend. Bon voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On a validé le SBC de Flotov. Est-ce qu'on fera le SBC de Depay dans le futur? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Quand tu vois que c'est pas très cher, 300K. Quand tu vois que tu récupères, j'ai récupéré quasiment 100K avec quelques petits joueurs, petits consommables assez facilement. Il y a vraiment moyen d'avoir un truc assez facile, je pense. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les gars. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Bye bye.